Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez nous, tout va bien. Je suis le président fondateur de l'ONG Espoir de vie. Voilà, nous sommes aujourd'hui à cette date. Aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, lundi 10 mai 2021. Voilà, 2021, nous allons maintenant. Il y a un événement de taille. Voilà, c'est que le samedi, nous avons eu à présenter la prise en charge médicale d'une dame, n'est-ce pas, dont qu'on appelle l'ONG a décidé de prendre en charge, puisque nous sommes en partenariat avec une clinique ici qu'on appelle la clinique Huguette. Alors nous allons la déposer officiellement, voilà, officiellement pour que la clinique puisse, n'est-ce pas, prendre soin. Voilà, c'est une dame qui est veuve, parce que nous c'est un peu ça, nous travaillons. Nous soutenons les veuves et les orphelins. Donc la dame, elle est veuve, mais elle a une goître qui fait 2 ans, elle a plutôt 20 ans. 20 ans de goître, elle est en train de mourir à petit feu. Bon, nous avons décidé d'aider l'association des femmes chrétiennes, des femmes musulmanes, les femmes musulmanes. Voilà, nous avons décidé de la prendre en charge, c'est ce qui s'est chaud dit et chose faite. Nous sommes en train d'aller actuellement à la clinique de développement sans santé. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, voici l'événement de taille ce matin. Voilà, que Dieu nous aide. Et si nous avons la possibilité d'aider les gens, il faut les aider. Voilà, je suis le président fondateur de l'ONG Espoir de vie. Voilà, nous sommes maintenant, nous sommes plus loin de, voilà, de Huguette, à la clinique Huguette. Maintenant, toi, tu vas travailler avec là. Je sens que ça. Ça va? Merci. Assalamu alaikum. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Vous le reconnaissez là? Il était à la manifestation. Bonne arrivée. Merci. Son Excellence. Comment vous allez aussi? Oui, ça va. Grand monsieur. Oui, c'est vous, grand. Grand Baba monsieur. Kien, c'est vous, grand. Vous allez bien? Ça va. Allez, bonne arrivée à vous. Asseyez-vous. Maman, elle s'en va. Maman, si. Tantier. Ah, ici. Maman, ici. Voilà. Quelqu'un n'a pas venu là. Et là-bas, peut-être. Ici. Transfert. Ok. J'étais en train de voir un peu les images d'hier. Ah, d'accord. Voilà. J'étais en train de voir les images hier. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Alors, soyez les bienvenus encore. Merci, merci. Voilà, vous êtes chez vous, bien quitté chez vous, bien chez vous. Merci. J'ai juste fini de faire la lecture. D'accord. Voilà, de la prise en charge. Okay. Je crois que c'est sans faute. Merci. Voilà, c'est sans faute. Et on vous écoute maintenant là. Très bien. Voilà. Alors, ben, comme on l'a dit, hein, dès le premier jour, que nous sommes rentrés en contact avec la clinique Huguette, on avait un enfant en main, surtout une dame, qui venait d'accoucher, dont le père, la grossesse, en fait, le monsieur de la dame, à 3 mois de grossesse, va mourir, décédé.
Donc la dame, après 6 mois de la mort de son mari, elle va mettre au monde un enfant. Mmh. Heureusement que ça coïncidait avec mon arrivée dans l'église qu'elle fréquentait, tout ça. Mmh. Donc on a décidé de lui rendre visite. On allait juste rendre visite à cette jeune fille. Mais je n'avais pas tous les détails. Oui. Donc en allant rendre visite, parce que déjà, le fait que l'enfant il naît, il soit orphelin, moi ça m'a interpellé, ça m'a parlé. Oui. Donc on allait donner de la nourriture et puis un peu d'argent. Donc on n'était pas allé pour une prise en charge et tout ça. Donc on part, on donne de l'argent, 200 000 francs guinéens, de l'eau pour aider la famille, tout ça. Et donc le lendemain, trois jours après, je vois le directeur de, ici, Roger. Je lui ai dit, mais j'aimerais connaître plus d'histoire parce que quand je suis resté là, ça m'a parlé, la chose revenait dans mon esprit. Bon, l'enfant, il est né, c'est une jeune fille, elle a 19 ans. Le bébé, il est né sans père. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on cherche connaître l'histoire. Donc, on part voir la fille. Et dès qu'on arrive, on lui dit qu'elle n'est plus ici. Elle n'est plus dans la cour, on l'avait trouvée. Donc, merde. Elle est rentrée en famille ou pas. Donc, on indique au directeur l'endroit où elle logeait. On allait là-bas, elle était dans un endroit vraiment très bizarre. Donc, non seulement ça, c'était même le sol que l'enfant était. Et puis, donc on a dit, mais attends, pourquoi vous n'êtes plus dans tel endroit? Vous êtes venu en famille? Elle a dit non. Et qu'ils m'ont chassé de l'autre côté. Je dis, mais pourquoi? Et que ma belle-mère m'a dit de partir. J'ai dit, mais attends, tu étais sérieux là? Et donc moi, j'y croyais pas. Pour moi, c'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas avoir un enfant de. On peut pas avoir un enfant de. Comme on a. Juste de 4 jours. Ouais, ouais. Et puis mettre la mère de l'enfant et l'enfant dire. Elle a dit, mais tout le monde confirme. Bon, moi, j'ai cru en ça difficilement. Je me dis peut-être qu'elle a envie d'avoir une aide de moi, c'est ça qu'elle entend de parler. Alors, le lendemain, on a envoyé une matelas, protéger l'enfant déjà, parce que ça fait partie de mon travail. L'ONG, moi je suis orphelin de père et de mère, et j'ai dit à Dieu, si tu me bénis, je vais mettre toute ma vie au profit des gens difficiles. Et ça, je l'ai dit, voilà, je l'ai dit, j'ai dit, je vais être une source de bénédiction. J'ai dit à Dieu, je vais être une source de bénédiction. Donc, du coup, je suis allé acheter un matelas. J'ai envoyé un peu la nourriture. Et puis j'ai posé maintenant la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit non, la dame voulait lui prendre les 200 000 francs que j'avais remis. Elle a dit non, il m'a remis l'argent, mais je veux acheter les vêtements de l'enfant et la nourriture. Ben, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai dit, bon, ok. Moi, quand je suis quelqu'un, quand je n'écoute pas les deux versions, il m'est difficile de me prononcer. Oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça. C'est la logique, en fait. Moi, quand je n'écoute pas les deux versions, j'ai du mal à croire, même si c'est vrai. C'est vrai, oui. Voilà, c'est du vrai. Parce que moi, je me dis, mais attends, les gens peuvent te rencontrer n'importe quoi. Alors, donc, du coup, moi, ce que je pouvais faire, ça ne m'intéressait pas la vie de la belle-mère, la chasse ou pas. Je n'étais pas à moi d'apporter le jugement. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai apporté l'aide qu'il fallait. Ils dormaient ici des moustiquaires, je crois. Oui. L'odeur. J'ai dit, mais ça tue l'enfant. Ça tue l'enfant. Parce qu'on est rentré un matin, on déposait le matelas, on a vu moustiquaires. J'ai dit, mais l'enfant, il n'a même pas une semaine. Donc, du coup, on allait payer les moustiquaires. Pour prendre les moustiquaires. Donc, dans la voiture, ça me travaille la tête. Et ça me travaille la tête. Alors, donc, je pose encore les questions. Et on me redit ça, ben, je crois difficilement. Donc je suis allé, on allait en croisade, on allait faire un travail, je reviens. 2 jours après, je cherchais à voir la maman. Je la trouve à même le sol, le sein. Ouais, il y avait des pleurs au niveau du sein, donc l'enfant n'était pas alimenté. Et l'enfant commençait, on sentait que l'enfant entendait perdre le souffle. Ah, donc j'ai dit, ok. J'ai dit aux gens, là on était en train de prendre la maison, le siège. Et donc, j'ai dit aux gens, il faudrait qu'on sauve le bébé tout de suite et la mère. Parce que la mère, elle a les difficultés pour donner des seins à l'enfant. C'était sa première grossesse, son premier bébé. Il y avait les seins infectés, tout ça. Enflé. Ah, quand j'ai vu ça, le bébé n'était pas. Et c'est pour ça que j'ai demandé. J'ai dit, non, je ne veux pas l'hôpital, je veux une clinique. Dans l'immédiat, une clinique où on puisse d'abord faire les soins. Parce que le mari de la femme est mort avec le ventre enflé, donc c'est l'hépatite, vous voyez, ouais, l'hépatite et tout ça, donc il faudrait sauver. Donc on vient, on nous montre la clinique, qui n'est même pas loin de chez nous, donc on montre la clinique, et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec la clinique Huguette, voilà, une Huguette, puis donc du coup j'ai demandé qu'on fasse tous les examens, et bien, c'est comme ça on fait dans les pays développés, et ici j'avais déjà tout, ouais. Donc moi c'était déjà intéressant, ouais. Je voulais avoir toutes les informations possibles, voilà, et
on a mis l'enfant. Effectivement, nous ont donné les résultats après. Tout était négatif. C'était un problème de sang. Donc, la maman n'était pas alimentée. Donc, c'est après ça qu'elle nous a dit pendant la grossesse, elle mangeait que des mangues. Et que la belle-mère ne voulait pas. Ben, tu sais, moi, il y a des choses qui me choquent jusqu'à ce que j'y crois pas. J'y crois pas. Parce que je me dis, non, on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Moi, j'ai la difficulté d'y croire à ça. Et puis, bon, moi, ça ne m'intéressait pas tout ça. Donc, on a commencé à travailler dans ce sens. J'ai dit, mais. Comme nous, en tant qu'ONG, on vient de s'installer, donc on a un dossier en main, il faut être traverser le dossier. Et c'est ce qu'on a fait. On a mis la fille ici. Est-ce qu'il doit retourner? Je dis non, il faudrait qu'elle reste là pendant 3 jours et qu'on lui apporte les traitements. C'est ce qui a été fait. Voilà, ils ont donné l'ordonnance, on a pu régler l'ordonnance. Et puis bon, ils ont traité la fille et la maman et le bébé. Et Dieu merci, tout va bien. Et donc quand je suis, et comme ailleurs, c'est ce qu'on fait, on est en contact avec... On est pratiquement en contact avec le corps médical, tout ça. Nous croyons aussi à la médecine scientifique. Voilà. De toute façon, on croit que Dieu peut guérir, mais le médecin soigne que Dieu. Ouais. Ils font leur travail, donc on a amené, puis on ne sait plus sauver le bébé. Voilà. Donc j'ai dit, bah, pourquoi on n'est pas tissé un partenariat avec la clinique Huguette, c'est par là qu'aujourd'hui j'ai décidé que vous soyez partenaire à cette ONG. Bon. Alors, l'histoire de cette dame, voilà, c'est. On était en pleine activité dans les cadres du soutien des veuves. Voilà, donc ici, en Diocèse de Corée, c'est apporter l'aide aux femmes veuves chrétiennes, aux femmes veuves musulmanes. Alors, à la manifestation, je découvre une femme qui est gênée. Oui. Et qui a une boîte, mais qu'elle est en train de cacher. Voilà, elle est mal à l'aise. Donc, moi, ça me parlait, quoi, personnellement. Et la boîte, c'est une maladie qui tue à petit feu. Oui, les gens regardent, ils ne s'en tiennent pas compte, mais elle meurt en petit feu. Oui. Donc moi, j'ai interpellé, c'est être la présidente. D'ailleurs, je te présente, c'est la présidente des femmes veuves musulmanes. Voilà, des Zéro Corée. Voilà, donc c'est elle qui pilote ça. Les Zéro Corée. Donc moi, déjà, ça m'a parlé. Je me dis, madame. Madame Fatma Tabintabari. Non, c'est Hadia Amabari. Ah, ok, d'accord. Voilà, moi, ça m'a parlé. Je me dis, mais attends, on doit apporter de l'aide aux gens. Ben, il y a une femme qui est en train de mourir à petit feu, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi j'interpelle la dame et puis je lui dis j'ai envie d'aider. Voilà, j'ai envie d'aider la dame parce que je ne peux pas voir une personne en train de mourir. Oui. Voilà, donc elles m'ont invité solennellement à leur rencontre à... C'est où? C'est à Télé-Plou. Ils m'ont invité là-bas et puis je leur ai dit, ben, parce que Gouat s'est mourir à petit feu. Un matin va s'étouffer et elle est morte. Oui. Bon, nous on veut travailler avec vous, quelqu'un en train de mourir à petit feu. Et puis moi je tape l'œil. Mais je suis méchant. Je suis très méchant. Moi, voici la motivation. J'ai dit, bah, ok, moi je décide. Donc, comme on était en train d'installer le siège, dès qu'on a fini, on a dit, bah, ok, là je suis venu, mais je vous ai même parlé de ça. Oui, donc, on a bouclé et tout ça. Donc, on est dans l'exercice de nos activités. Et voilà, donc on vient solennellement aujourd'hui vous présenter cette dame. Nous demandons que la main de Dieu soit dans toutes les interventions. Amen, amen. Et que nous voulons cette femme plus avec cette boîte-là. Amen. Voilà, on veut plus voir ça. Ouais. Et qu'elle se porte bien. Ouais. Et que demain, elle soit heureuse de faire partie d'une association. Amen. Qu'elle ne soit pas gênée de mettre toujours le truc au cou. Voilà, donc on l'a amené. Voilà, voilà, voici la prise en charge, montrez au monsieur. Merci. Ah, mais la prise en charge, elle. Non, elle met officiellement, elle a un nom. Ah, ok, c'est mieux. Ok, d'accord, voilà. Madame, c'est mieux. Voilà. Okay. Voilà. Okay. Voilà. Voici la prise en charge. J'ai un souci. Non. Mais où est sa fille? La fille est où? Ah, où est la fille? Oui, mais nous on entend des travaux. Nous on entend des travaux. Je ne sais pas maintenant qu'on va discuter avec elle. J'ai un souci. Non, c'est juste nous présenter. Oui, mais on entend des travaux. On va aller là. Maintenant, tu entres. Oui, elle rentre. On entend des choses. On est en train de sauver sa maman. Voilà, il faut lui dire, je lui ai déjà tout expliqué, on a pas de soucis. Oui, bonjour. Voilà, donc ça va d'expliquer à ta... Je lui ai dit, quand tu regardes ta maman comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Elle dit, elle a mal. Il dit, le mal que tu ressens,
C'est le mal que j'ai ressenti quand j'ai vu ta maman avec ça. Moi, j'ai été clair avec elle. Je lui ai dit, quand tu regardes ta maman, là, quand tu la vois goître, elle avait parmi ses camarades femmes, et puis elle porte foulard, elle cache. Qu'est-ce que tu ressens? Elle dit qu'elle a mal, mais elle n'a pas moyen. Il dit, bon, moi, j'ai ressenti, je pense que je peux l'aider. Donc, ce que tu ressens, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, donc, moi, elle ne peut pas faire partie d'une association que je veux aider. Et puis, elle est malade. Parce que ça, elle peut tomber un matin, je touche du doigt. Elle peut tomber un matin, elle est morte. Ben, on va dire, non, c'est Dieu qui a dit. Non, écoutez, c'est pas Dieu. Vous l'avez vu mourir sans l'aider. Alors, si moi, je peux l'aider, je l'aide. Je suis sur le projet d'investir dans les femmes veuves. Et puis, moi, ça devient d'abord une priorité. Une priorité parce qu'elle est en train de se battre avec la vie. Elle veut vivre. C'est pour ça qu'elle vient dans l'association des femmes veuves. Moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Mais elle peut être ma mère. Voilà, je suis humain. Voilà, je suis humain. Donc, moi, il n'y a pas que cette femme. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un bébé que j'ai sauvé. Je viens de sauver ici à la clinique Yguette. C'est pour ça que je suis en contact avec la clinique Yguette. Donc, on est en train de sauver une vie. La vie n'a pas de prix. Cet argent, ce n'est pas vous qui décaissez, c'est nous qui décaissons cet argent. Alors, donc, ce que tu as ressenti. Je pense que tu as prié, puis Dieu nous a envoyé quelqu'un. Oui, c'est parce qu'il y a l'étape de prière, et puis il y a l'étape d'agir. C'est pas seulement que prier, Dieu peut envoyer quelqu'un. Oui. Dieu peut passer par quelqu'un. Par quelqu'un. Que c'est quelqu'un qui fait aussi. Quelqu'un. Donc, nous, on est venu pour dire, au-delà de ça, voici, on ne veut plus voir votre maman souffrir. Voilà, donc on est venu dans la clinique pour l'aider. D'accord. Voilà, c'est pas une question de je ressens un mal qu'il va de maman. Ça dit. Docteur, s'il vous plaît, pour concrétiser ce que vous venez de dire là, que tout dépend de Dieu, c'est là nous sommes ensemble dans mon ONG et nous sommes ensemble dans l'association des femmes âgées là. Ah, il y a ça aussi. De toutes les préfectures confondues de Fouta. Donc elle est venue là-bas, je l'ai dit, ça me gênait. Ça fait lever à notre réunion tous les dimanches quoi. Là, un jour, j'ai fouillé dans mon téléphone là, j'ai vu que c'est les feuilles de papa et quoi là. Ceux qui ont des boîtes peuvent voir. J'avais le souci, j'ai envoyé une vieille claire qui est souvent avec moi, son voisin. Je dis, va dire à Binta de bouillir ça, et boire, peut-être ça va l'aider. Oui, ça, c'est pour dire, maintenant Dieu est venu à notre appel, donc, à notre prière, parce qu'on avait le souci, mais on n'a pas les moyens. Donc, c'est vraiment pour juste apporter cette éclaircie-là. Oui. Nous, en tant qu'ONG, on ne peut pas la regarder. Oui, d'accord. Voilà, donc on a envoyé officiellement pour que vous puissiez l'aider. Voilà, donc la clinique va se charger d'opérer. Voilà, donc elle va vous remettre officiellement. Voilà, on vous remet. Vous allez venir, on fait un programme. Vous allez faire un programme. Maman, venez là. Voilà. Arrêtez-vous là. Très bien. Comme ça. Là, je suis resté. PDG. Un bon endroit pour vous. Excusez-moi. Ok, merci bien maman, et merci bien directeur. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir. Un instant s'il vous plaît. Oui. Bon, je disais, nous sommes contents de vous recevoir aux bras ouverts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer à me présenter. Je réponds au nom de Zumanigui Martin PV. Je suis le directeur administratif financier de la clinique médicale Yguette. C'est que le président fondateur de l'ONG Espoir de Guinée venait de dire tout à l'heure, c'est un sujet, c'est un problème qui m'a frappé directement au cœur.
Parce que qui investit sur les humains n'a pas perdu ses moyens. Donc nous prions Dieu à ce que Dieu puisse venir à votre secours et vos prières soient exaucées, que vos moyens ne finissent pas pour l'orientation des personnes dans ce genre d'état qui souffrent amèrement mais qui n'ont pas de moyens. Je suis très content. Et parlant un peu de la prise en charge, on s'est déjà engagé avec vous par rapport à une prise en charge sanitaire et l'autre qui vient s'ajouter. Je crois que j'en ai déjà en parlé avec l'hôpital, la clinique Zao, dont nous avions un spécialiste qui est là. Il y a déjà une très bonne collaboration entre nous. Je l'ai déjà en parlé. Et je crois que la prise en charge va commencer, si tout va bien, demain matin. Okay. Ça sera par les examens. Et tout ce qui va nous intéresser à son niveau, tout ce que nous allons prendre comme charge, la logistique, c'est-à-dire son transport, aller après tout, on la ramène. Oui, on l'envoie et puis on la ramène, ça sera à notre charge. Et tout ce qui est lié à l'intervention, aux soins, ça sera à notre charge. Les médicaments, tout sera à notre charge. Voilà. Et après tout, on va élaborer une facture et on va vous les transmettre. Donc, je suis vraiment content. On prie Dieu que les personnes ou docteurs qui vont diriger l'intervention, que le Seigneur l'assiste, que Dieu l'assiste, que le Tout-Puissant Allah l'assiste pour que les choses se passent très bien. Donc, je dis grand merci et merci à ces sœurs, à nos mamans et à mes frères qui sont en train de montrer mes images. Pour le déplacement. Tout ceci-là, ça rentre dans le cadre d'humaniste dans ce monde. Et pour finir, je vous dis grand merci et je vous remercie. Alors, pour traduire, c'est plus le mot. Non, vas-y, allez-y, puisque vous êtes la présidente. Wow. Ça commence demain. Inch'Allah, ça commence demain. Elle passe à quelle heure demain? Bon, c'est nous qui allons l'appeler. Je crois qu'on ira lui chercher à la maison. Peut-être avec. On est chercheur dans l'annonce. On va vous appeler. Vous connaissez le bar sur la. Hanoï. Hanoï. Oui, je connais. Ok, d'accord. Déjà, c'est tout prêt. Elle va plus se déplacer. C'est nous maintenant qui allons vers lui. Nous allons aller lui prendre peut-être avec 2, 3, 4 personnes. On va l'envoyer. Et après tout, on vous ramène. Si. Par exemple, il donne un rendez-vous pour l'intervention. Oui. On va vous ramener le jour du rendez-vous. Mm-hmm. On y va aussi pour l'intervention. Oui, on a visité. Nyao ebi ni dub noga la wonde mo moye bak pala disabo ko fara da hunde wo disabo ngarade haya bata sana disabo wonu yebirta kwala wa disabo ha biari beidu haro no kado ni tika no dila sala wa disabo be mi ko mwa ko mi tana go fosse mi mara comme au coran sina weta na gon ndua node al barka kala yati mene mu e jamma jera ni reti ke ko pota wona se be jarama ko bus wona se al barka merci beaucoup elle dit qu'elle vous remercie qu'elle n'a pas autre mot que le merci parce que si cela arrive c'est la volonté de Dieu c'est Dieu qui a décidé c'est vous qui allez venir de loin pour venir l'aider donc elle vous remercie
et prie le Tout-Puissant que votre vœu soit exaucé. Amen. Donc, je vous remercie. Il n'y a pas autre mot en dehors de merci. Ah. Merci. Elle a béni par la parole. D'accord. Ça va. Maintenant, qui va nous passer le numéro de téléphone de Dieu? Je vais vous donner le téléphone. 624-0-0-52-95 un second numéro, bien souvent. 70-10. D'accord. Donc, on va vous appeler demain. Sinon, dès le soir, je vais vous rappeler aussi pour vous rassurer si ça aura lieu demain. Okay. Hein? Voilà, je vais vous rappeler dès le soir. D'accord? Alors, juste à la sortie, j'ai besoin de sa réaction. Ok, c'est pas tout ça. On va prendre une photo de famille là. Bonjour. Hey, comment vous allez, docteur? Oui. Ça va? Oui, ça va bien. Bah, si, c'est bon, hein, c'est le traitement était bien. Ah, bien. On vous a envoyé un patient, une patiente. Ah, bien. Madame. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va? C'est mon numéro. On va prendre une photo de famille ici. Oui, on va prendre une photo de famille. À la porte là-bas. Une photo de famille, les membres de la famille. D'accord. Docteur, viens, au moins qu'il y ait un médecin parmi nous. Viens. Ouais, viens. Il n'y a pas de problème. Voici l'un des meilleurs médecins qui a sauvé le bébé. Oui, viens, viens. Voilà. Voilà. On te fait là, ça va. Il est au bassin. Voilà, faut voir comme ça d'abord. Bien calme. Informe que c'est la meilleure clinique des Irakoréens. Ce n'est pas un débat. Ah non, non, c'est pas un débat. Bientôt, ça va finir. Hein? Je vais venir manger quelqu'un. Hein? Le tour. Bon, je ne sais pas, si vous voulez qu'on attend après Carême, ou bien... Non, demain. On attend. Elle a raison. Ouais, elle a raison. On doit terminer au paradis, tu vas attendre demain. Oh, merci bien. Ok. Monsieur Vidal, quoi. Ouais, Vidal. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'était super bien. Il m'a fait le point. Ouais, c'est ça. Le point était encore bien animé. On est ensemble, c'est la famille. Oui.
Vous êtes la meilleure clinique pour sauver des vies. Nous, on travaille pour ça aussi. Pour aider les vies, c'est comme ça. Je suis vraiment content. Et je regrette pourquoi je n'étais pas au président. Non, non, tu as expliqué. Tu as expliqué un peu. Il y avait des contraintes. Oui, des mariages. Oui, mariage. Ça s'est fait une fois. Là, j'ai tellement pour faim. Tata, il y a quelques minutes. Ça s'est fait une fois dans la vie. Oui, bonjour à vous. Et le coutume, on était juste commencé. On allait le. Mercredi soir, on a servi le coutume. Vendredi, c'est le premier. Ça me disait. Maman, bonjour, votre nom, comment vous appelez? On entend français, mais est-ce qu'on ne prend pas français? On comprend le noir. Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce que ça l'a dit? Ben, on est ensemble. Oui. L'autre voiture va les déposer. Oui. Nous on va y aller. Okay. Ah, merci. Ah, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. M'invitez-moi, Karim est fini. On va aller manger. Moi, il y a 5 personnes. C'est une délégation. Moi, c'est délégation. Il n'y a pas de problème. Monsieur a mangé, merci. Monsieur a mangé encore. Ouais, merci beaucoup. Merci. Voilà un. Il est dangereux. On va le trouver. Ouais, allez-y. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Vous allez déposer. Vous allez déposer. Je vois la voiture qui est là. Non, vous le déposez après. Il va te déposer. Okay. Non, mais c'est quoi après? Après, il y a ton numéro, non? Oui, je t'appelle. 00 comme ce que j'ai dit là, j'ai fait. Oui. Dans la voiture, j'ai fait ça tout de suite. Si ça passe pas, nous on va prendre le truc, on va t'envoyer. Non, il n'y a pas de problème. Non, si ça passe pas, au cas où le train, le truc passe pas. Ça va.